Vous saluons encore une fois ce soir avec joie dans le nom précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions encore une fois d'être là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous mettons debout. Tout à six maman. Nous ouvrons nos Bibles. Ta fungula ma Biblia et tout. Dans Jean chapitre 3. Yohane surayake atatu. Et nous lisons l'écriture qu'on a lu hier. Ta somme il est en digo tous les soma jana. Jean chapitre 3. Yohane surayatatu. On peut commencer par le verset 3. Tu en dis pas mustariake atatu. Jésus lui répondit. Yesu akamujibu. En vérité, je te le dis. Kweli, kweli ninakwambia. Si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizaliwe mara ya pili, il ne peut voir le royaume de Dieu. Awezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit. Nicodème akamwambia Yesu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Namna gani mtu anaweza kuzalika wakati anakuwa mzee? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Que Dieu ajoute des bénédictions avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons encore une autre écriture. Apocalypse chapitre 19. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Se revêtir d'un fin lin éclatant. Puis, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes comme tout le monde. Mais cependant, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple appelé selon les desseins de Dieu. Et le message biblique du temps de la fin. Ce message est lié à l'objectif le plus élevé. Kunafungwa kifukuzio kimwa kia juu sana. Et lié l'objectif le plus élevé du temps de la fin. Kunafungwa kifukuzio ya juu sana ya hii wakati ya mwisho. Au message biblique du temps de la fin. Kujumbe ya kibiblia wakati ya mwisho. Et lié. Kunafungwa. L'objectif le plus élevé. Kifukuzio ki ajou sana. Lisons cela. Tu somme il est. Lettre circulaire 56. Bawa kuzunguka namba 56. Page 10. Page yake ya 10. Hier on s'est arrêté à un point. Jana tukusimamia pa nukta moya. Je continue un peu. Tendelea kidogo. Le ministère envoyé de Dieu. Udumanya kutumwa na Mungu.
doit s'accompagner de l'appel à sortir. Inapasha isindikizwe na ile mwito ya kutoka. Je vous enverrai Élie le prophète. Tamitumiaka Elia nabi. Il ramènera le cœur. Atahudisha kamioyo. Des enfants à leur père. Ya watoto kubaba zao. Amen. Amina. Je vous enverrai Élie le prophète. Tamitumiaka Elia nabi. Et Élie le prophète. Elia nabi. Devrait venir avant le jour grand et redoutable Ali de l'éternel. Nous devons saisir ce qui est lié à ce que nous croyons. Amen. Amina. Le ministère envoyé de Dieu doit s'accompagner de l'appel à sortir. C'est pourquoi nous sommes sortis du monde. Parmi nous, il y a ceux qui étaient catholiques. Parmi nous, il y a ceux qui étaient des méthodistes. Parmi nous, il y a ceux qui étaient des kimbanguistes. Nous sommes sortis de toutes ces dénominations-là. Amen. Amina. C'est par un appel. L'appel du message. Et nous devons comprendre l'objectif. Et il continue de dire, le message ne nous a pas été donné pour se prêter à des discussions. Mais il est au contraire relié à l'objectif le plus élevé des temps de la fin. Le message ne nous a pas été donné pour des discussions. Mais au contraire, à ce message, le message biblique du temps de la fin est lié, est relié à l'objectif le plus élevé de tous les âges qui ont existé. L'âge le plus meilleur en rapport avec le dessein de Dieu, c'est l'âge de la Odyssée. Si on pouvait demander même à Paul de choisir l'âge dans lequel il pouvait vivre, il choisirait l'âge de la Odyssée. Dieu avait réellement préparé beaucoup de choses. Il y a même des anges qui ont mené des investigations cherchant à connaître le temps dans lequel Dieu devrait accomplir ces choses-là. Mais toi et moi, nous vivons dans ce temps-là. Là où Dieu est en train de faire des grandes choses. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui a une position particulière. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? L'église de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui a une position particulière. À ce message est relié l'objectif le plus élevé. Il continue, il dit. De plus, ce n'est utile à personne de t'en parler et de t'en répéter sans cesse. Le prophète a dit. Ce n'est utile à personne de t'en répéter sans cesse cela. Et puis après, présenter sa propre version du message. Il est namuna yake ya kuona ujumbe. Oui, beaucoup de gens parlent du message. Watu wengi wanataja ujumbe. Mais chacun peut le présenter de sa façon. La façon de l'homme de présenter le message ne nous intéresse pas. Nous voulons rester dans ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de beaucoup de prédicateurs, mais nous avons besoin de prédicateurs qui doivent nous garder dans ce qui nous est déjà enseigné. Nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Les nouvelles choses ne nous amènera jamais à expérimenter Dieu.
Ce n'est utile à personne de t'en répéter sans cesse. Le prophète a dit. Puis, cependant, présenter sa propre version du message. Comme malheureusement cela arrive dans le monde entier. C'est grave. Il s'agit au contraire. Après avoir apporté la parole révélée. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit qu'après avoir apporté la parole révélée, que la volonté révélée de Dieu soit faite parmi le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a donné sa parole. Dieu s'est révélé à son église. Mes frères et sœurs, à travers le message, Dieu nous a donné sa volonté parfaite. Mumambo yote. En toutes choses. Mumambo yote. La volonté parfaite. Aujourd'hui, nous avons la volonté parfaite de Dieu. En agissant, en vivant, en s'habillant, en communion, en toutes choses, en mariage, en fiançailles, en volonté parfaite. Nous avons la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à vivre n'importe comment. Nous ne sommes pas appelés à agir n'importe comment. Nous sommes réellement un peuple rétabli. Ce que le diable avait dérangé, aujourd'hui c'est rétabli. Et l'église est sur ça. Et nous marchons dans ça. Est-ce que vous croyez cela? Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les fiançailles, que ce soit dans la fraternité, que ce soit pour commencer même soi-disant église. En tout et pour tout, à travers le message, Dieu nous a déjà révélé sa volonté parfaite. Et Dieu maintenant attend de toi et moi. Parce que mes frères et sœurs, c'est lui à qui Dieu s'est révélé. Il a la responsabilité de manifester ce Dieu-là. Je répète, c'est lui à qui Dieu s'est révélé. Il a la responsabilité de manifester ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu as fait, ma soeur? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se révèle à toi? Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais Dieu ne s'est pas révélé à eux. Les catholiques, quand ils vont dans les séminaires, ne pensez pas qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont conscients que nous sommes en train de chercher Dieu. Mais Dieu ne s'est pas révélé à eux. Mais à toi, Dieu s'est révélé. Comme Dieu s'est révélé à toi et que tu as la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu attend de toi vivre cette volonté-là. Et un véritable enfant de Dieu, face à la volonté de Dieu, pour les enfants de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas pesante. Amen. Amina. Dans la chair, je peux gémir, mais néanmoins, je ferai en sorte que la volonté de Dieu soit faite. Je ne peux pas abandonner Dieu à cause de sa volonté. Quand vous abandonnez Dieu, alors que Dieu vous dit sa volonté, vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amina. Sur cette terre, il n'y a personne. Akuna mut. Il n'y a vraiment personne. Akuna kweli mut. Comme William Marion Branham. Sa William Marion Branham.
à qui Dieu a tout révélé. Nous essayons de placer le message dans son contexte. Dans la réunion mensuelle de Krefeld du samedi 3 mars 2018. Page 4. Page Akiaine. Paragraphe 2. Paragraphe Akiapili. Pas seulement le racheter. Aina tu venye kombolewa. Aina tu kuwa kombolewa. Aina kusa tu wa kombolewa kunaisha. Pas seulement le racheter. Aina kusema tu na kombolewa kunaisha. Pas seulement le sauver. Aina kusa tu na okolewa kunaisha. Mais aussi. Tena pia. Le sanctifier. Benye kutakaswa. Mungu ashikutokoe bule. Jenu zafa sauver seulement et c'est tout. Kisha kutokoa. Après zafa sauver. Kisha kutusauver. Après zafa. Il nous a aussi sanctifiés. Bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons dans un temps. Dans lequel. Tout est renversé sur la tête. Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Est présenté comme étant vrai. Prenez par exemple le mariage que Dieu a établi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les lois qui sont publiées aujourd'hui? Où est le respect envers la parole de Dieu? Et même parmi les nations soi-disant chrétiennes et les partis chrétiens, aucun ne s'occupe et ne respecte ce que Dieu a vraiment dit dans sa parole. Tous font ce qu'ils veulent. Même dans ces partis politiques chrétiens, ils font tous et quoi ce qu'ils veulent. C'est justement pour cette raison que frère Branham a dit ce qui devrait être dit. Il est pas ça que sur le couple et le mariage. Ba mambo benye ko wana na ndoa. Il a dit. Alisema hivi. Aux femmes. Ku wanawake. Ce qui doit être dit aux femmes. Il est mambo inapasha kuonesha wake. Il a dit. Alisema. Au mari. Ku babuana. Ce qui doit être dit au mari. Il inapasha kuambia babuana. Aucun homme sur la terre. Hakuna hata mtu mmoja hii dunia. Na tu rassemblé. Aucun homme sur la terre n'a tout résumé en ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle comme frère Branham. Il a parlé du vêtement de sang de sœur. Il a parlé du maquillage. Il a parlé des cheveux qu'on ne doit pas couper. Il a parlé du tout. L'homme de Dieu William Aaron Branham a parlé du tout. Et nous ne devons jamais demeurer et rester dans la confusion. Sur tous les points. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel. Au milieu de nous, il n'y a pas de confusion. Dada, mais ça vous suivez très bien. William Marion Branham, par l'Esprit de Dieu, kwanja ya roho Mungu, il a parlé de tout. Alisemea pa mambo yote. Tout. Pa mambo yote. Il continue. Anaendelea mukusema. Et il dit, anasema, mon ministère, huduma yangu mie, est plutôt la prédication de la parole de Dieu, yo japo ni mahubiri ya neno ya Mungu, avec tous les conseils du salut de notre Dieu. Inaleta ile shauri yote ya wokovu ya Mungu wetu.
Nous faisons bien quand nous lisons les prédications de Frère Branham. Et nous méditons là-dessus. Car Dieu veut de l'ordre dans sa maison. Et dans ce contexte de choses, laissez-moi dire la chose suivante. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y en a qui croient que lors du retour de Jésus-Christ, c'est lui qui fume encore, sera alors délivré. Et c'est lui qui a encore certains liens. Sera alors délivré lors du retour de Jésus. Non, Apan. Non, Apan. Non, Apan. Non, Apan. C'est maintenant. Ni abasasa. Dès maintenant. Ni abasasa. C'est maintenant. Ni abasasa. Dès maintenant. Ok, abasasa. C'est maintenant. Il a pas ça. Comment on le fout? Si tu vas pas chercher quoi, tu dois cesser de fumer. C'est maintenant. Il a pas ça. Comment on a charité? Si tu commets l'adultère, tu dois arrêter l'adultère. C'est maintenant. Il a pas ça. Comment on a caboua? Si tu es comme tu dois arrêter le commérage. C'est maintenant. Il a pas ça. Comment on a bongo? Si tu es menteur, tu dois arrêter le mensonge. C'est maintenant. Il n'y a pas ça. Dès maintenant. Donc il n'y a pas ça. Seulement maintenant. Pas qu'à tout, il n'y a pas ça. Suivez un peu l'insistance de l'esprit. Mukazo vinawana, wake up mukazo. C'est maintenant. Il n'y a pas ça. Dès maintenant. Donc il n'y a pas ça. Seulement maintenant. Pas qu'à tout, il n'y a pas ça. Kwacha kunywa pombe. Cesse de boire. C'est maintenant. Ya passa ça. Dès maintenant. Ok, a passa ça. Seulement maintenant. Pas tout, a passa ça. Kwacha kulanda. Cesse de mentir. C'est maintenant. Ya passa ça. Dès maintenant. Ok, a passa ça. Seulement maintenant. Pas tout, a passa ça. Seulement maintenant. Pas qu'à tout, à passer sans joie, quand la parole de Dieu est prêchée. Et qu'elle est crue. Na unayamin. Maintenant. À passer. Tu dois expérimenter Dieu. On a passé au monde Dieu Mungu. Maintenant. À passer. Tu dois expérimenter Dieu. On a passé au monde Mungu. Le Dieu qui délivre. On a fungua. Tu dois l'expérimenter. On a passé au monde. Le Dieu qui pardonne. On a tu dois l'expérimenter. On a passé au monde. Le Dieu qui bénit. Mungu ala tu dois l'expérimenter. On a passé au monde. Le Dieu qui bâtit du Saint-Esprit. Tu dois l'expérimenter. C'est maintenant. On a passé. C'est maintenant. Maintenant. A passa ça. C'est maintenant. A passa ça. Pas demain. A pas na kesho. C'est maintenant. Ni a passa ça. Tu dois expérimenter Dieu. On a pas chaud monje Mungu. Tu dois vivre ta délivrance. On a pas chaud ouais moya onje ukombozi yako. Tu dois vivre ta délivrance. Onje ufungulifu yako. Quand wakati kan tu dois vivre ta délivrance il est aonjo kufungulifu wakati kan quand wakati kan maintenant apa sasa maintenant apa sasa quand vous venez écouter la parole wakati de la vérité unakuya kusikia neno ya ukweli c'est ça l'occasion ndio bahati l'opportunité d'expérimenter les expériences bibliques ya kuonja maonjo ya kibiblia la vie. La vie, Uzima. La vie, la vie doit, maisha inapashwa, maintenant, hapa sasa, être transformé, kubadilishwa. C'est Ward Frank. C'est Ward Frank qui a dit. La vie, maisha,
doit maintenant être transformé. Lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement le corps qui sera transformé. Mais avant que ton corps ne puisse être transformé, il faut que ta vie soit transformée. Je crois que nous nous préparons pour aller au ciel. Nous avions reçu le message de préparation. Notre raison d'être ici, c'est être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de grâce sans effort. Nous croyons que comme nous avions reçu la grâce, la grâce est grâce à celui aussi qui la reçoit comme grâce. Comme nous avions reçu la grâce, si je buvais par la grâce de Dieu, je ferais un effort avec l'aide de Dieu pour ne plus encore boire. Comme j'ai reçu la grâce, comme je mentais par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, je ne vais plus mentir. Mes frères et sœurs, le salut qu'on a reçu, ce n'est pas un salut statique. Ce n'est pas un salut statique. C'est un salut qui est dynamique. Parce que Dieu lui-même, il dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Et nous devons aller de progrès en progrès. Lors du retour du Seigneur, c'est seulement le corps qui sera transformé. Mais avant que ton corps ne puisse être transformé, il faut que ta vie soit transformée. Le ciel est un lieu saint. Il n'y a rien de souillé. Il n'y a rien de faux qui pourra y entrer. On doit déjà, dès maintenant, dire la vérité à tous. On doit déjà, dès maintenant, dire la vérité à tous pour que quelqu'un ne se trompe pas. Et notre Seigneur lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et celui qui vient vraiment au Seigneur, ou et tous ceux qui viennent à lui, on repartit comme il est venu. Ont vraiment reçu les choses pour lesquelles ils sont venus. Ont vraiment reçu les choses qu'ils ont demandées. Il n'y a personne qui est reparti comme il est venu. Même toi ce soir, si tu le crois, comme mon ami, tu ne partiras pas tel que tu es venu. Dans la présence de Dieu, il y a le changement. Dans la présence de Dieu, les liens se brisent. Dans la présence de Dieu, les démons tombent. Dans la présence de Dieu, les esprits tombent. C'est pourquoi, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est le moment opportun pour expérimenter Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu le crois, comme mon ami, tel que tu es venu, ce n'est pas ainsi que tu sortiras ici.
Si tu es venu malade, tu sortiras guéri. Si tu es venu lié, tu sortiras délivré. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que maintenant, chacun de nous fasse les expériences du salut. La repentance. Kutubu. Regretter sa vie menée sans Dieu. Que chacun individuellement vienne au Seigneur et dise: Seigneur, pardonne-moi. Agrée-moi. Fais-moi grâce. Ce n'est pas possible autrement. Une seule façon d'être délivré. Une seule façon d'expérimenter la délivrance. C'est reconnaître. Et quand tu viens auprès de Dieu, reconnaissant ce que tu es, et tu demandes à Dieu: Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi grâce. Dieu te fera grâce. Comprenez mes frères et sœurs, sur cette terre, il n'y a personne, aucun homme, si ce n'est que William Marion Branham, qui a tout rassemblé, il a tout résumé en ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle, tout en étant dans ce corps. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être agréable à Dieu. Amen. 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 Tout en étant dans ce corps, amen. Le corps de faiblesse, le corps de manquement, tout en étant dans ce corps, nous avons la possibilité d'être agréable à Dieu. Le diable, diabolo, a toujours cherché à nous détruire. Mais Dieu, lui, il a toujours cherché à détruire les œuvres du diable. Dieu n'a jamais cherché à te détruire. C'est le diable, le diabolo, qui a toujours cherché à te détruire. Et l'opportunité que le diable a pour entrer dans nos vies, pour nous déranger, c'est la chair. C'est la chair. Mon frère, ma soeur, quand tu te plais aux œuvres de la chair, ce sont des opportunités que tu donnes au diable. Quand tu te plais aux œuvres de la chair, vous pouvez tout lire. Tu peux tout lire. Et si tu te plais, même à une seule œuvre de la chair, tu donnes l'opportunité au diable. Amen. Amina. Tu donnes l'opportunité au diable. Parce que derrière chaque œuvre de la chair se cache l'ennemi. Derrière chaque œuvre de la chair se cache l'ennemi. Toi et moi, ayant été sauvés, ayant expérimenté la nouvelle naissance, ayant reçu la vérité présente, la vérité présente, nous avons la possibilité de nous dépouiller de toutes les œuvres du diable. Afin que par toi et moi,
Kwanja yako we na mi Mungu. Afin que par toi et moi, kwanja yako we na miye, les desseins de Dieu, makusudi ya Mungu, les desseins de Dieu, makusudi ya Mungu, soient manifestés. Ipate kuonekana wazi. Amen. Amina. Ainsi, Ivi, comme on l'a dit hier, vile tulisema jana, et nous continuons. Na tukunendelea. Le péché est cruel. Zambi na uwaka. Et na la cruauté du péché, ile bubaya bwa zambi yenyewe, se manifeste en ce que ikunonekana muile. Par le péché, kwa njia ya zambi, l'homme est détaché de Dieu. Mungu anajitosha kwa Mungu. L'homme Mutu. Est détaché de Dieu. Mutu anajitosha kwa Mungu. L'homme est séparé de Dieu. Mutu anajitenga na Mungu. Tout péché, zambi yote, sépare. Iko na tenganishi. L'homme de Dieu. Mutu na Mungu. Et quand l'homme est séparé de Dieu, wakati mutu anajitenga na Mungu, son âme, nafsi yake, avant le péché, mbele ya zambi, l'âme de l'homme était attachée à Dieu. Nafsi ya ule mutu ilikuwa inambatana kwa na Mungu. Et la nature de Dieu, na hali ya Mungu, est incompatible avec le péché. Haivumili yake zambi. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Mungu hawezi kuvumilia zambi. Là où il y a le péché, il doit y avoir la condamnation. Pana pasha pa kwe hukumu. Dieu s'est séparé de l'homme. Mungu anajitenga na mutu. Et l'âme de l'homme, nafsi ya mutu sasa, au lieu qu'il soit attaché à Dieu, bali ambatane na Mungu, par le péché, kwa njia ya ile l'âme est détachée de Dieu, nafsi na et l'âme s'attache à la chair. Inaenda kuambatana na mwili. Alors l'homme devient naturel. Mutu anakuwa mutu wa kimwili. Sema tu mutu nyama. Nyama, mutu nyama. Sema tu mutu nyama. L'homme animal, mutu nyama. L'homme sans Dieu, mutu bila Mungu. Ni mutu, c'est l'homme. Même si il est bien habillé. Animal, atana vala mzuri. Ni mutu, c'est l'homme animal. Même si il a beaucoup d'argent, ate kona fedha mingi. Ni mtu, c'est l'homme animal. Même si il a beaucoup étudié, ate alifunda sana. Ni mtu, c'est l'homme animal. Na kama unakufa, et si tu meurs, utakufa sa nyama. Tu mourras comme un animal. Frères et sœurs, duku na dada, comment tunaweza kuelewa hii maneno muhimu namuna? Si nous comprendre convenablement, tutanja kushikiria bantu buluma. Nous aurons toujours pitié des gens. L'homme sans Dieu, mutu bila Mungu, il est un homme animal. Nyama. Vyote atanja kufanya. Tout ce qu'il commencera à faire, ni bya bunyama. C'est purement animal. Ma sœur, dada yangu, si tu es sans Dieu, kama uko bila Mungu, mon frère, dada yangu, si tu es sans Dieu, kama uko bila Mungu, tu n'as pas d'importance. Hauna na mafaa wewe. Amen. Amina. L'importance, mafaa, nous cherchons l'argent, oui. Tunatafuta fedha ndio. Mais lakini la valeur de l'homme, c'est pas l'argent. Bei ya mutu haina ile fedha na pato. Nous étudions, oui. Tunajifunza ndio. La valeur de l'homme, ce n'est pas les études. Bei ya mutu haina ile masomo alifunza. La valeur de l'homme, bei ya mutu, c'est ce que Dieu fait pour toi. Kile Mungu anataka uwe wewe. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quel que soit ton état, ne regarde pas à ce que tu es. Regarde à ce que Dieu a fait pour toi. Et l'âme de l'homme, par le péché, je peux dire, Satan a pris en otage l'âme. Mu shetani anabamba mukifungo ile nafsi ya ule mtu. Donc, maana yake l'homme sans Dieu, mutu bila Mungu,
il est pris en otage par le diable. Et Dieu, Namungu, devrait faire quelque chose pour libérer les otages. Il passe à faire un mambo moi, vu que les chrétiens n'ont pas fonga, abattiri. Nous tous, Chibot, nous étions les otages du diable. Diable, regarde, tu es comme qui fonga ya que. Et de nous-mêmes, on ne pouvait pas se libérer. Voici les gens, tu ne vas pas que tu touches à moi là qui fonga. Tout ce qu'on faisait, tu viens d'accoufar. C'est pour plaire le diable. Il croit que tu es diable. Amen. Amina. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais néanmoins, lakini, en lisant la Bible, mukusoma Biblia, 1 Corinthiens chapitre 2, wa Korinto wa kwanza sura yake ya pili, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Nani basi kati ya watu anayejua bitu ya watu? Si ce n'est l'esprit de l'homme. Kama isipokuwa roho ya mtu qui est en lui. Yenye kuwa ndani ya ule mtu. De même, vile vile, personne ne connaît les choses de Dieu. Hakuna yule anajua maneno ya Mungu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Isipokuwa roho ya Mungu. Or, japo nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si à tout pour qu'arrive à dunia. Si tu es né de l'esprit, comment est-ce que tu as reçu? Tu n'as pas reçu l'esprit. À tout pour qu'arrive à dunia. Mais, lakin, si tu n'es pas né de l'esprit, comment tu as reçu? Tu as reçu l'esprit du. Ou les pour qu'arrive à. Et là, tu agis comme le monde. Dunia, on a donc fait tout ça dunia. Le monde passe. Dunia iko napita. Sa convoitise passe. Tamaya keko napita. Et celui qui aime le monde. Na ule anayependa dunia. Et les choses qui sont dans le monde. Nabitu kwa mudunia. Il est en inimitié. Yeko mubuadui. Avec. Na. Amen. Quiconque. Mutu wote. Est né seulement de la femme. Aliyezaliwa tu kwa mwanamke. Mais il n'a pas saisi la nouvelle opportunité pour naître de l'esprit. Il a reçu l'esprit du monde. Et il agira selon le monde. Il sera condamné avec le monde. Or, nous, n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais, lakin, l'homme naturel, mutu nyama, l'homme animal, l'homme naturel, mutu nyama, n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Car, mana, elles sont folies pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ma soeur, mon frère, entre les deux ici, tu es quel homme? Tu demeures quel homme? Homme naturel ou bien homme spirituel? Chapitre 3, on va s'arrêter par là. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler.
Mais, lakini, comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, nous trouvons trois catégories des hommes. L'homme naturel, mutu nyama. L'homme animal, l'homme charnel, mutu nyama. Apana, mutu wa kimwili. Mutu wa kimwili. Et puis, kisha, l'homme spirituel. Na huyu mutu wa kiroho. Qui ira au ciel? Nani atenda kumbing? Qui sera enlevé? Nani atanyakuliu? L'homme naturel, mutu nyama. Ni mutu nyama. C'est l'homme animal. Il n'y a pas d'espérance. Hakuna kitumaini juu yake. L'homme charnel, mutu wa kimwili, c'est celui qui s'est dit sauvé. Anajiita sanaisha okolewa. Mais il demeure dans des choses charnelles. Anabakia mukufanya bitu vya kimwili. Cet homme-là, ule mutu, il a la chance, son nom peut même être effacé. Eko nabati, lakini manaweza hata kujimisha jina yake. Mais l'homme spirituel, mutu wa kiroye, c'est celui qui ira au ciel. L'homme spirituel, mutu wa kiro, c'est l'homme intérieur mutu qui a atteint la maturité. Et la maturité se manifeste à travers le caractère. C'est pourquoi nous mangeons. Nous mangeons la parole de la vérité. Et comme nous mangeons la parole de la vérité, l'homme intérieur doit croître. Et quand l'homme intérieur croit, il s'impose sur l'homme extérieur. Tutaona dada. Nous verrons la sœur. Bantu watakuangalia. Les gens vont regarder. Dada ni wakiro. On dit cette sœur est spirituelle. Bantu watangalia. Les gens vont regarder. Watasema huyu frère ni wakiro. Le frère est spirituel. Et les gens na watu aimeront être à côté de toi. Watapenda wawe pembeni yako. Soyez spirituel. Mkwe bakiro. Soyez spirituel. Mkwe bakiro. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.